Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur Silent Hill 4, The Room. Et la dernière fois, on a crevé une fois, mais au final, c'est pas plus mal, parce que j'avais oublié que la plupart des esprits étaient invincibles, donc j'avais usé énormément de balles, donc c'est pas plus mal, d'un côté, donc je suis content d'être crevé. Et nous sommes toujours au niveau du métro, donc on va y retourner immédiatement. On avait fait la visite de l'appartement la dernière fois, donc on va y retourner, hein. Pas plus tard que maintenant. Allez. Donc oui, pour l'instant, la seule chose que je trouve un peu naze, c'est évidemment l'invincibilité des ennemis, parce que moi j'aime bien prendre mon temps, fouiller, machin. Là, on ne nous laisse pas le temps, il faut courir, on n'a pas le choix. Et en plus, même quand vous ne vous faites pas toucher physiquement, le fait que vous restiez proche des ennemis, vous fait enlever des vies, quoi. Donc c'est pas foufou. Donc la dernière fois, voilà, on s'est arrêté à la rame de métro Kings, je sais plus quoi. J'étais surpris de voir un trou ici. Et donc nous avions un escalator. On a tué 4 chiens ici à la barre de fer. Tiens, j'avais même pas vu. Oh, boisson nutritive, mais oui, avec plaisir. Donc j'ai laissé un chargeur de 10 balles dans le coffre. Et donc on va monter. Voir où ça nous amène. Mais ouais, j'étais persuadé que les esprits, on les avait qu'à un certain endroit du jeu. Et pas du tout, en fait. J'aime pas du tout ce bruit là, putain. Ouais, faut passer à un moment où... ces saloperies ne nous toucheront pas. Putain. Ah, saloté, va. Deux fois. Et t'es bien placé, cet enflure. Ceux qui sont placés juste après un autre sont... J'ai vu qu'il y en avait encore un autre. Allez, on passe. C'est curieux, hein, comme méthode, mais bon. C'est une phase de gameplay un peu originale, je trouve. Est-ce que c'est la plus intéressante? Je ne pense pas, mais bon, au moins elle a le mérite d'exister. Bon. Vous avez vu que pour si on redescend, ça va être la même galère. J'ai pas du tout envie. Ah putain, non! Alors on va reprendre le... J'ai bien fait d'aller là, mais si, prends, putain. Voilà. Alors, on va remettre le plan. Et bon, on va aller se diriger direct vers les escaliers au bout du couloir. Hop, c'est vrai qu'on peut bouger la caméra dans cet opus. Les articles de maquillage sont éparpillés au sol et doivent être à Cynthia. J'ai pas eu le temps de voir. Il y a une plaque au sol, tu peux... L'affiche de la tentation. Affiche provenant du monde souterrain ornée d'une femme et du mot tentation. Thank you.
Are you okay? It's just a dream, right? I think I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. Ouais, bah je suis pas sûr que dans ton état. I feel like I'm dying. Bon, 1621, vous avez retenu. Bon, Henri n'a pas de tache de sang sur lui, hein. Il est clean. Il a tenu Cynthia enroulée de sang, mais il n'a pas aucune, il n'a aucune trace. Quoi ? Ah, je peux pas bouger. Ah, mais je retourne. Non. Ah putain, je suis revenu dans l'appart. Merde. Bon, de toute façon, si j'avais pris l'autre porte, j'avais pas de jetons de toute façon, donc j'aurais pas pu revenir dans la rame de métro principale. Cynthia. Man, what's that noise out there? L'animation est très longue. Ok, bon. Est-ce que si je mets 1623, ça va fonctionner ? C'était ça, j'espère, le code. Faites voir un truc. Ouais, là, c'est juste des explications, en fait. Bon, allons voir dehors. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a entendu les flics. Ah non, une ambulance et une deux voitures de police sont garées près de la bouche de métro. C'est Cynthia ? Vous voyez que ce qui se passe dans cette réalité alternative se passe également dans la ville d'Ashfield. C'est plutôt intéressant comme mécanique, j'aime beaucoup. Mais on l'avait vu, hein, descendre dans la rame, rappelez-vous. C'est impressionnant. Hein. Excusez-moi pour le chien.
Bon, on voit pas grand chose, hein, mais bon, on a compris que il se passait des choses ici. Dans les appartements, on ne trouve rien. Bon. Allez, on sort d'ici. Franchement, ce jeu pourrait être remanié. Il y a de Hurry up and get that ambulance. Très très bonnes Quit idées. Yapping and move her already. Et ça, ça vient de la radio. Et non, il n'y a plus rien. Pas plus d'infos. Bon, ok, très bien. Évidemment qu'on va sauvegarder, ne vous inquiétez pas. On va faire aussi un petit peu de tri dans notre mal. Ah, revoilà la voisine. Pas rester très longtemps. Non, je ne vois rien de plus pour l'instant. En tout cas, on sait qu'elle est chez elle. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? J'ai vu qu'il y a des trucs devant la porte, hein. On va aller voir. Ne vous inquiétez pas. Toujours rien dans le frigidaire. Nouvelle lettre. Un bout de papier rouge est collé à cet endroit. Le culte lui-même a disparu, mais je suis sûr que l'esprit du culte a survécu. Trop de choses bizarres se passent dans cette ville. J'enquête sur deux personnes, enfin peut-être une seule. Je suis à deux doigts de savoir ce qui se passe. Le 8 avril. Alors évidemment, hein, à force de cumuler les papiers, on va comprendre ce dont il s'agit. Il n'y a rien dans le couloir. Bon. On va faire un peu de tri dans notre coffre. On va mettre ça dans divers, évidemment. Ça, normalement, j'en ai plus besoin. Voilà. Je pense que 30 balles, déjà, c'est suffisant. Voilà. On va pouvoir sauvegarder. Si j'y arrive, bien sûr. C'est vrai que le gameplay n'est pas des plus simples. Hein. Je l'avoue. Assez lourd. Vraiment, l'ambiance est bonne, etc. Ce jeu mériterait un remake, bon, pour l'instant, c'est pas le l'opus qui a le plus plu, hein, donc forcément, Konami a décidé de faire... Déjà, c'est déjà bien qu'ils aient mis en place un remake. Bon, du 2, du coup, Silent Hill 2 va en avoir un. Vous le savez. On le sait depuis octobre 2022, du coup. Mais franchement, ouais. Il gagnerait vraiment à être fait, ce jeu, je trouve, hein. Plus qu'un Silent Hill 3, je trouve. Bon, on entend toujours ces bruits bizarres. Allez, on y retourne.
Le trou s'agrandit. Oui, effectivement, c'est vrai que j'avais pas fait la remarque. Mais effectivement, j'étais pas très très sûr. Mais oui, le trou s'est agrandi, les amis. Alors j'aurais peut-être dû noter le code parce que je sens que je vais l'oublier. Le code sur le corps de Cynthia. Et donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans le métro. Alors, là je suis en train de me dire 2004, le jeu est sorti avant Resident Evil 4. Intéressant. J'avais pas fait le rapport précédemment. Alors, évidemment, c'est par là qu'on devra aller. Je fais un petit peu le tour du propriétaire. Des fois, la caméra a du mal à suivre le personnage. C'est pour ça que vous avez une touche qui permet de le suivre. Il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose. On voit que ça a été... certains endroits de la forêt ont été défoncés. Qu'est-ce que c'est, ça? Merde, il y avait un commentaire. C'est une falaise, pas moyen d'avancer. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose ici. Allez, on se casse. Ah merde, je croyais que c'était encore... J'avais pas vu. Alors, on a encore un trou, c'est une blague? Attendez, on va aller voir après. Bon, ici, il n'y a rien. Il y a déjà un trou, dites donc. Bon, on va pas y aller, hein. Ça semble évident. On a une double porte ici. De toute façon, je pense que c'est la seule chose qu'il y a à retenir. On dirait un espèce d'entrepôt, mais il me semblait que la partie forêt était plus longue que ça. Danger, ne pas entrer. Eh ben, on va y aller. Bon, en tout cas, s'il y a des allers-retours à faire, vous savez maintenant que pour reprendre des vies, c'est dans l'appartement que ça se passe, et donc le trou se trouve à l'entrée. Putain, c'est quoi, c'était double. Oh, genre, je les ai pas eu. J'espère que c'est pas à l'infini, hein, et j'ai l'impression que si. Bon, c'est à l'infini, je pense. On se casse. Bon, il y a une autre porte au fond. Oh, mais dégagez, putain. Ça fait mal en plus, ces merdes. On dirait des gros moustiques. Qu'est-ce qu'il y avait? Merde, j'ai pas vu. Ah putain, c'est le club, il s'est pété, bon sang.
Je peux pas les achever avec la barre, c'est complètement con ça. Lui, il disait que le club de golf était limité, mais bon. Alors. Alors, je sais pas s'il en revient d'autres après. Ou... Parce que là, ça s'est calmé. Mais est-ce qu'il y a un nombre limité de saloperies ? Il y en a encore une qui bouge. J'ai pas envie de la laisser vivante. Là. Ça a l'air d'être bon, là. Mine de rien, il y en avait, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une espèce d'usine. Oh putain, il y a encore ces merdes. Allez. Ça a l'air d'être bon. Genre, je les ai pas eu. Mais qu'est-ce que tu fous, Henri? Voilà. Et voilà. Alors, si je regarde la carte. Ok, il y a une porte. Je ne sais pas ce qu'ils produisent ici, mais... C'est pas ouf. Ce liquide peut plus tellement que ma tête en tourne. D'accord. Et c'est ce genre de commentaires qui manque dans les jeux d'aujourd'hui, je trouve. J'aime bien, moi, qu'on décrive un petit peu ce qu'il y a, ce qu'on peut pas voir ou ressentir, plutôt. Ah, on est dedans, mais dehors. Ah non, on est revenu à l'extérieur. Non, parce qu'on sait jamais, hein, avec Silent Hill, tout est possible. Alors, on regarde la carte à chaque fois. Il y a un truc au milieu de la... Oh, bah tiens, une bagnole. On rappelle celle de James, tiens. Le moteur tourne encore et la porte du conducteur est ouverte. On va aller voir tout de suite ce qui s'y passe. Elle est arrêtée avec la pédale de frein enclenchée. Le siège est jonché d'un tas de trucs. Il y a un bout de papier dans tout ça avec une inscription. J'étais pas venu à Silent Hill depuis longtemps, j'y verrai peut-être le diable cette fois-ci. À chaque fois que je viens dans un lieu cool comme Silent Hill, ça me donne soif. Jasper Jane. Il y a aussi un bloc-notes. Je me demande ce que voulait dire le curieux par « Chez lui, c'est l'orphelinat du milieu. Le lac est au nord-ouest, dont l'opposé est le sud-est. » Oui, ça me paraît logique. Le curieux a dit autre chose que j'ai pas compris. « Si tu amènes la clé déterrée, tu ne peux pas repartir. Range-la quelque part avant de revenir ici. » Ok. Très chelou. Donc, on va devoir trouver une clé enterrée. Attendez, parce que là, je vois que dalle. Merci. Là, il y a encore un portail. On va aller voir. Au moins, c'est débarrassé de tous ces moustiques. Il y a quelqu'un, là, assis. On va aller lui parler. Non.
there was another guy here before, a real nosy guy. But I was the one who found the stone first. In the old days, natives called it Nakihona. They used it in a ceremony for talking with their dead ancestors. And now those guys are using it too. Call it the Mother Stone. They're just up ahead in that weird building, operating some kind of crazy religious cult. Okay. They used to collect orphans and did things to them. Kind of gives you the chills, huh? This stone. Bon, il nous aura appris quelques petits trucs quand même. On va faire le tour, bien entendu. Il n'y a rien de ce côté. La vie, c'est pas ouf, hein. Ils ont bien bouffé, ces saloperies, hein. Alors, on peut passer par là. Là, non. Pour vous dire, le changement de caméra, c'est toujours moi qui suis obligé de le faire en appuyant sur la touche L2. Vous donnez une idée du gameplay, quoi. Ah, ce rocher me met mal à l'aise. Bon, là, il n'y a rien du tout. Bon, par contre, on parlait de clés enterrées tout à l'heure, donc c'est un peu étrange. Oh, putain. Bon, là, à mon avis, on va pas traîner. Le retour des chiens. Pourquoi personne l'attaque au mec là? Cynthia non plus on l'attaquait pas. Je me rappelais plus qu'il y en avait là aussi. Non. Putain. Oh, il y en a deux! Touché. Putain, il me saoule l'autre derrière. Ok. Je dois reprendre une boisson vitalisante. Putain, mais... Oh non, putain, il m'a eu! Oh non! J'aurais dû prendre la boisson, j'étais con. Ah, je vais devoir recommencer les moustiques et tout, putain, non! Ah, ça fait chier, putain. Et puis les moustiques, j'ai bien envie de me les faire parce que... le trou était à l'entrée. Ah, putain! Putain, ça fait chier. Bon, en tout cas, j'ai pas besoin de refouiller les lieux puisqu'il y avait rien en dehors de... Ah oui, évidemment, je reviens ici. Punaise, ça m'emmerde. Oui, maintenant, on a vu le trou. Ne pas entrer, on y va. On va prendre. Voilà. On va se mettre en bas, ce sera plus pratique. Ah.
Il y en a un qui a disparu dans le décor. Ah oui, je m'en suis beaucoup mieux sorti que la première fois. Nickel. Et comme ça, en plus, je garde le club de golf pour les chiens. C'est tout ce qu'il y avait ici, je crois. Allez, on continue. Là, il y en avait aussi. En plus, ils ont il a une meilleure portée, le bâton. Voilà. Vite, 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 vite. Voilà. Parfait. Alors la sortie est par ici. Tu vas où toi? Là. Il y en avait encore hein, quand même. Alors on va devoir réécouter l'autre là, ça fait chier. Ah oui, il y a aussi la bagnole, j'avais oublié. Pas besoin. Ouais, au final, on n'a pas fait grand chose, hein, mais bon. Vu que je prends énormément de temps à tout fouiller, il n'y a pas tant de choses que ça, au final. Voilà, donc on va réécouter l'autre taré. J'ai dit, on peut bouger, hein. Oui, dès qu'on s'éloigne, ça c'est pas mal aussi, les sous-titres disparaissent un petit peu, je trouve que c'est pas mal comme mécanique ça. On va les laisser parler, on sait jamais. Up ahead in that weird building, operating some kind of crazy religious cult. They used to collect orphans and did things to them. Kind of gives you the chills, huh? This stone. Oui. Y avait rien là? Non. Alors, on va prendre le club. Merde. C'est vrai que c'est carré là, la touche action. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour l'inventaire, c'est carré. Pour le reste. On va essayer. Alors, vous avez vu qu'il y avait un piège aussi en plein milieu. Vachement plus efficace, hein, le club. J'espère que tant qu'on touche rien, ça ne casse pas la qualité de l'arme. Il est là. Là. Putain, t'es pas mort! Et lui, c'est bon. Ok. Bon. Pas de commentaires sur ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce que c'est. Bon, bah, en tout cas, bah, j'ai bien fait de crever au final. Hein. Encore une fois. Mes morts sont utiles. C'est très curieux de dire ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Il y en a plusieurs. On voit pas trop ce que c'est, mais on dirait des cailloux un peu étranges. Pas de précision. Il y a encore des chiens. Ah, merde.
putain, avec ce que je t'ai mis, tu devrais... Ah, il y en a trois encore. T'es pas mort en plus, hein. Mais t'es sérieux là? Bon. Faut que je fasse attention encore une fois, putain. Et je vais tellement pas utiliser mes munitions. Silent Hill Smile Support Society Wish House. C'est l'orphelinat géré par le culte. Oh, aïe aïe aïe. Oh, ça pue ça. On a 37 minutes déjà. Ok, bon. Normal qu'on trouve des dessins de ce genre. Il y a un trou. Parfait. On va pouvoir reprendre des vies. Néanmoins, avant, je vais fouiller. Et ben le. Cet endroit avant de partir. Bon, on a des jouets avec des bidons. Il y a deux portes. Ah, trois portes même. Ouh là là. Alors, évidemment qu'on ne va prendre aucune porte avant de rentrer à l'appartement, bien sûr. Je vais juste voir ce qu'il y a au fond. J'ai vu qu'il y avait aussi une phrase écrite. Mais, ah, ces caractères, qu'est-ce qu'ils disent? Et, d'accord. Je n'arrive pas à les lire. Bon, très bien. On peut pas passer derrière la balançoire. Est-ce que là, le bâtiment, c'est pas accessible? En tout cas, on ne nous met pas de porte hein, sur le plan. Et là aussi, des caractères bizarres. On peut pas les lire non plus. C'est fermé, au moins on en a la certitude. Très bien. Bon, même commentaire que pour la porte. Là, il y a notre trou. Très bien. Et là, il y a encore une porte. Bon. Ça nous fait pas mal de lieux à fouiller. On a 39 minutes, donc... On dirait un graffiti dessiné par un môme. Oui, il nous faut des vies. Des vies, des vies, des vies. Alors évidemment qu'on va mettre le club de golf cassé, hein, on va le mettre dans le coffre. C'est une évidence. Et... On va voir s'il y a eu... Quelques petits changements par-ci par-là. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse voir l'orphelinat d'ici. Pas comme le métro où on voyait la bouche. L'ambulance a disparu et la voiture de flic également. En tout cas, il n'y a rien. Qui nous montre qu'il y a un orphelinat dans le coin. Allez, on sort.
le meuble là. Rien à signaler. En tout cas, la dernière fois qu'on est allé dans notre appartement, on n'était pas encore allé dans le la phase de l'orphelinat. Ah, c'est notre porte qui sonne, c'est pas le téléphone. Évidemment, on peut pas ouvrir. Hein. Ça, vous êtes au courant. C'est notre voisine. Help! Let me out of here! There's something going on in this room. Donc elle nous entend pas. Au moins elle crie. Elle ne nous attend pas. On entend des choses, mais elle ne distingue pas que ce soit des cris de secours. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Damn it. They can't hear me. Vous avez remarqué, elle a pas cité le nom. Elle n'a pas cité le nom de, bah, de Henry, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses louches? Évidemment qu'on va les re-regarder dans le trou. On sait jamais, il y aura peut-être la suite de ce qu'elle pense. Non. Et j'entends pas de bruit de pas, donc... Vous le sentez venir, le lapin, qui va bouger à un moment donné? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Hein. Je savais que on allait sonner dans l'appartement. Alors, pas forcément maintenant, mais je sais qu'il y a des actions contextuelles dans l'appartement. C'est peut-être ça le plus gros point fort hein, de cette phase d'appart. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La radio. J'ai pas essayé la radio. Toujours aussi inutile. La télé. Toujours rien non plus. Vous vous doutez que à un moment donné, ça va être utile. On va virer le club de golf cassé. Voilà. Donc non seulement quand il se casse, en plus, il ne vire pas de l'inventaire. C'est incroyable. Dans Silent Hills Origins, qui est sorti donc après celui-ci, hein, en termes d'année de conception, eh bien, les objets cassés se barraient de l'inventaire. Donc, bon, ici, il ne se passe rien. Donc on va les sauvegarder, on va y retourner. On a 43 minutes en plus, donc on va pas trop traîner. J'ai pas envie de m'arrêter là maintenant, là, donc... De toute façon, on va pouvoir fouiller d'autres... d'autres salles. Ça a l'air d'être un hub central, hein, là où on se trouve, donc... allons-y. Vu qu'il y a plein de portes à voir, à fouiller. Alors on peut pas courir dans. On peut juste marcher un poil plus vite. Si j'appuie sur la touche de course. Hop, on rentre dans le trou. On a fait le plein de vie. Tout va bien. Dans le meilleur du monde. Alors si je me sers pas de mes balles, hein, c'est évidemment, hein, je sais que on va en avoir besoin plus loin dans le jeu. Donc tant que je peux m'en sortir avec le bâton. Alors vous avez vu aussi le. Quand on sort du trou, on a une espèce de grain bizarre hein, qui s'affiche sur notre écran. Alors. Première porte à droite, nous verrons, on a trois portes au total. Hein. La quatrième, c'est là d'où on vient, donc on s'en fout. Wish House. Donc là, on a encore une allée.
Il fait trop noir. Il y a un puits en plein milieu. Il n'était pas inscrit sur le... sur le plan. Bon, il n'y a pas grand chose hein, dans l'environnement. Pour ça que fouiller, c'est très rapide. De toute façon, maintenant on voit que c'est en surbrillance les trucs hein, qu'on peut prendre. Donc ça peut aller un peu plus vite. On peut bouger un petit peu la caméra en restant sur le même plan. Un tas d'outils à manches longs ont été laissés ici. La gestion de la caméra est ce qu'elle est. Au moins on peut la contrôler. Qu'est-ce que c'est ? Elle est lourde, mais au moins on peut la contrôler. Oh putain. Oh, j'ai loupé. Parfait. Bon. Pas user du flingue tant qu'on peut s'en passer. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose derrière le grillage, mon Dieu, quelle puanteur, rien d'intéressant, mais... Mais, hein. Ça ressemble un peu à ceux qui passaient à travers les murs dans le métro. À quoi ça leur servait, le culte est-il impliqué dans tout ça? Bah, évidemment. Ça me semble logique. Je ne sais pas ce qui dépasse... Oh, je l'avais pas vu. Dégueulasse, il y a un corps en haut. Et c'était pas une porte, c'était un trou. Bah, j'arrive encore à un autre trou, bon... 47 minutes, fait chier, j'aurais bien continué encore un peu. Oui, le tronc, c'était peut-être une déesse ou quelque chose comme ça. On a gravé des caractères bizarres. Et je peux pas les lire. Non. Je vous rappelle qu'on nous a dit dans un document... qu'il fallait trouver une clé qui était enterrée et la laisser pour continuer. C'est le lac de Silent Hill, Toluca Lake. Je l'avais pas vu depuis longtemps. J'y suis allé il y a quelques années, il y avait une photo du lac dans mon appartement. Exact, exact. Et là aussi, des caractères bizarres. Et on peut pas les lire non plus. Alors, est-ce que le lac correspond à celui de Silent Hill 2 ou de Silent Hill 1? Parce que c'est vrai que la ville est très très grande. Toluca Lake, toujours. Alors, je pense que c'est ça. On peut pas pousser ça. Casser. On sait bien qu'on nous mette des bruits aussi quand on tape sur de la roche. Ça, c'est plutôt un bon point, je trouve. Alors, je suis pas sûr de trouver des trous ailleurs. C'est ça qui m'emmerde. Et ici, je peux pas y aller non plus. On est déjà à 49 minutes. Faites voir un truc. J'ai pas envie de tenter le diable, hein, je suis désolé. Mais bon. Là, c'est pour le chrono, hein, cette fois-ci. Bon, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de points de sauvegarde. C'est juste que bah, c'est long parce que il faut revenir dans les trucs précédents, machin. Bon. C'est assez intéressant comme concept, mais c'est mal réalisé, je trouve. Hein, parce que là, on perd énormément de temps entre les chargements, etc. On se réveille toujours, il met 3 plombes à émerger. Alors, la photo du lac, elle est là, non? Silent Hill est la cible d'un tas d'histoires étranges, mais en regardant le paysage, on a du mal à croire qu'elles sont vraies. Bon.
Est-ce qu'on avait eu ce commentaire avant? Je sais pas. Je m'en rappelle pas, du moins. Bon, rien d'autre de bizarre s'est installé. L'horloge, je l'avais remarqué, l'horloge? Attendez. L'horloge s'est arrêtée à 10h06. Intéressant. Bon, j'ai rien pris de plus, donc pas besoin de refaire quoi que ce soit. À mon avis, devant la porte, il n'y a plus rien. Ici, mon avis, c'est trop tôt aussi. Je vérifie juste, mais... Ah si, putain! Incroyable! Vous pensez qu'à chaque trou, il se passe de nouvelles choses? Bon, ça fait très voyeur, hein, j'avoue. Mais bon, je suis toujours à la recherche du moindre petit détail qui pourrait nous aider à avancer soit dans l'histoire ou à vous donner des cutscenes un petit peu que vous n'avez pas vu pour ceux qui ont fait le jeu. Vous montrer un maximum de trucs inédits, quoi. Bon. Est-ce qu'elle bouge encore? Ah ouais, c'est... C'est enregistré, quoi. Enfin, c'est scripté, mais à la fois, je trouve que c'est assez intelligent. Bon, je pense que ça s'entend, j'ai faim. Ce n'est pas le jeu. Oh putain, elle m'a fait peur! Putain, il m'a fait flipper ce con là. Bon, est-ce que vous pensez que les mains là, ils les voient eux ou... Les mains ensanglantées. C'est très étrange, hein. Bon, ici, il y avait ce placard. Oui, il y avait ce placard. Enfin, cette étagère plutôt. Et là. J'aurais une corbeille, mais il s'en fiche. Oh, le mec qui regarde à travers la porte, j'avais pas fait... Enfin, il m'a fait flipper, quoi. Non, c'est ça, la corbeille. Mais il n'est pas intéressé, d'ailleurs. Il s'en fout. Bon, bah, du coup, on va regarder par la fenêtre, hein, vu qu'il y a l'air de se passer des choses dans cette phase. Intéressant, hein. Sur son lit. Et quand on appuie sur la touche action, sur la fenêtre, on entend des choses, pas sur la porte. Bon. Très bien. Et donc maintenant que le mec est venu là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? Je ne pense pas, mais... Elle s'est tournée. Alors, est-ce qu'elle se tourne si vous allez voir la porte? Et si vous n'allez pas voir la porte, est-ce qu'elle ne se tourne pas? J'en sais rien. Dites-le-moi dans les commentaires si vous savez ce genre de petits détails. Ça me plaît énormément de savoir ça. Bon, en tout cas, elle pionce. Hein. Mais vous voyez, je trouve cette atmosphère oppressante, etc. C'est original. J'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être mal réalisé. La réalisation, ça laisse un peu à désirer, je suis d'accord. Parce que c'est lent, parce que voilà. Mais dans le fond, c'est très sympa, je trouve. Le lac. Non, c'est pas le lac, ça. Non. Non, je pense que c'était la photo qu'on avait sur notre lit. Et là, c'est toujours HS, j'imagine. Ah non. Et la radio.
Et ben on va sauvegarder là-dessus. On entend toujours la radio en fond, c'est plutôt sympa. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai bien fait au final d'aller dans l'appartement, hein, puisqu'on a trouvé quand même 2-3 petits éléments intéressants. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec et à vous abonner à la chaîne. Et puis bah nous on se retrouve prochainement pour la suite de Silent Hill 4 The Room. Allez, salut tout le monde!